19h. À deux pas de l'ABC d'Ashrafieh, Akram Nehmeh, 58 ans, se transforme en homme de terrain. Trésorier de l'association Ashrafieh 2020, il se rend auprès des 120 jeunes participants à l'initiative Neighborhood Watch, surveillance de quartier en anglais. Neighborhood Watch est une initiative purement civile, purement citoyenne. Elle a été créée suite à la pénurie d'électricité qui fait que Ashrafieh est sombre dans le noir la nuit. Nos enfants ont le droit de dormir en tranquillité. Nous travaillons en étroite collaboration et coordination avec toutes les forces de l'ordre présentes afin que Ashrafieh soit une ville, un quartier serein, un quartier calme. Là maintenant nous sommes à Ashrafieh, on va quitter vers Tabaris parce qu'à partir de 18h ils se sont déployés. Ce sont ce qu'on appelle nous les anges gardiens d'Ashrafieh, les yeux d'Ashrafieh. Ce sont des jeunes d'Ashrafieh qui sont en train d'assurer la garde, si on peut dire, de 18h jusqu'à 6h du lendemain. Ces jeunes-là, c'est notre famille, ce sont nos enfants, c'est nos frères, nos cousins. J'invite tous les citoyens d'Ashrafieh à les considérer comme tels. Donc voilà nos armes, une pile, une matraque. Là, ce soir, dans Ashrafieh, il y a à peu près 90 jeunes qui sont éparpillés dans les quartiers, avec une moyenne de 6 à 8 jeunes par quartier. À la tête de chaque quartier, un chef. Au cas du moindre incident, ce chef-là pourra entrer en contact avec la salle d'opération des forces de sécurité intérieure, qui, eux, peuvent intervenir dans les minutes qui suivent. Notre financement vient des amis d'Ashrafieh, des gens d'Ashrafieh du quartier, du Liban et de l'étranger aussi, parce que aussi nous avons pu créer durant ces trois dernières années ce qu'on a appelé Ashrafieh Outre-mer, qui est cette merveilleuse diaspora libanaise que nous avons à travers le monde. Le député Nadim Ishmael, fondateur de Ashrafieh 2020, est à l'origine de l'initiative Neighborhood Watch. Il insiste qu'il ne s'agit pas ici de remplacer l'État. Notre vocation n'est pas du tout de remplacer l'État ou bien les autorités militaires. Notre vocation est d'assurer un minimum de plaisance, un minimum de sécurité, une certaine tranquillité pour tous les habitants de Ashrafieh. Donc je suis très content qu'il y ait quelqu'un qui ait pris cette initiative et qui gère ça de A à Z. Kifak, monsieur le hal, ça que je veux, ça que je veux, je veux que je veux un sandwich.